j'espère que vous allez bien. Ouais. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo puisqu'aujourd'hui je vous fais un haul, je vous fais un haul inspiration, donc je vous ai embarqué avec moi dans les magasins. Ah oui, inutile de vous préciser que c'est un haul try on, c'est à dire que je vais tout vous essayer, comme d'habitude en fait. Je vais vous montrer des choses hyper sympas, deux choses aussi que j'ai reçues de la part de L'Oréal et des choses que je vais ramener puisque finalement j'ai changé d'avis. La première chose que j'ai à vous montrer, c'est ce petit top. Voilà, il est blanc en une espèce de maille un peu stretch avec des... Vous savez, c'est un peu côtelé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est pas un tissu sans relief. Il y a des petites, des petits détails au niveau du tissu. C'est pas forcément que j'ai surkiffé le top, c'est juste qu'il était à 3 euros et quelques. J'aime énormément les cache-cœurs, j'aime bien les petits tops blancs ou de couleur claire en général. On peut facilement l'accessoiriser, le porter avec des choses chic, un peu plus sportswear, des jupes, des frocs, des jeans, enfin bref. Et j'aime bien ce genre de pièces qui s'accordent un petit peu avec tout et n'importe quoi. Toujours chez Forever 21, je vous présente une petite robe. Donc, je l'ai pris en taille L. C'est une robe noire toute simple. Voilà. Il n'y a rien de plus simple au monde. Mais pour autant, je n'avais pas du tout ce style de robe. Et j'aime beaucoup. En plus, elle est d'un tissu assez épais et gainant. Du coup, ça vous dessine la silhouette de façon assez jolie, je trouve. Elle m'a coûté à peine 11 euros. Donc, c'est pas le truc qui m'a ruiné. Sachez par contre que j'ai vu la même sur Shein pour environ 9 euros. Si ça vous intéresse, vous avez l'info. J'aime beaucoup cette pièce parce que je peux l'accessoiriser de mille et une façons. Toujours en termes de robe, je vous présente la même, mais en blanc cette fois-ci. Vous voyez, elle est assez épaisse. Je pense que ça se voit plutôt bien en termes de tombée de tissu. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis permise de la prendre. Par contre, ça reste une robe blanche. Évidemment, ce genre de pièce, ça ne vous pardonne rien. C'est-à-dire que si vous avez de la cellulite, on va la deviner à travers votre vêtement. Je sais que ça dérange énormément de femmes sur elles-mêmes, mais aussi sur les autres. C'est-à-dire que j'ai déjà entendu très souvent les femmes dire « Mais comment elle peut se permettre de porter ça? On voit toute sa cellulite. » Franchement, moi, j'en ai strictement rien à faire de ma cellulite. Voilà, c'est dit, c'est fait, ça me fait un complexe en moins. Par contre, c'est ce qui me dérange, c'est un petit peu le bidou. Voilà, elle est extrêmement moulante et elle ne vous pardonne rien. Sachez-le, attention les filles, lorsque vous êtes pulpeuses et que vous portez des pièces hyper moulantes, vous avez le droit, il n'y a pas de souci, et bien au contraire. Par contre, ne négligez pas, s'il vous plaît, la gaine en dessous parce que ça va vraiment changer la forme de votre corps et ça va lui donner une forme harmonieuse. Voilà. Par contre, une robe moulante sans gaine, honnêtement, c'est pas joli. Voilà. C'est ce que je pense, hein. Désolée. On continue et toujours chez Forever 21, je me suis trouvé ce petit top. Donc c'est un top noir, il m'a coûté 7,79€ au lieu de 13 euros. C'est un espèce de petit top noir stretch, tout ce qu'il y a de plus basique. Il n'y a strictement aucun détail, sauf au niveau du col. Je n'avais encore pas craqué du tout pour ce genre de pièces qu'on voit un petit peu partout. En tout cas, là, pour 7 euros à peine, franchement, j'ai kiffé. À la base, je pensais que c'était une robe. Et finalement, lorsque je l'ai essayé chez moi, c'est pas une robe, c'est une tunique. Je ne pourrais pas me permettre de porter ça en robe, dans le sens où, lorsque je lève les bras, on voit mes fesses. On va éviter que mes fesses disent bonjour à tout le monde, n'est-ce pas? Je suis ravie pour 7 euros, franchement je suis très contente et ça va m'emmener jusqu'au printemps facile, donc voilà. Ensuite, toujours chez Forever 21, je me suis trouvé cette robe kaki et elle est trop belle, je l'adore. Elle est à 13 euros, je l'ai pris en taille M et elle est parfaitement coupée. Donc c'est une maxi dress, elle m'arrive vraiment au niveau des pieds et vous avez une ouverture donc au niveau du mollet de chaque côté.
J'adore ce genre de pièce, déjà parce qu'on peut la porter très facilement en été, et d'ailleurs je porte quasiment que ça. La couleur, c'est quasiment exactement la couleur de mes yeux, donc je suis trop contente. Voilà, elle m'a coûté 13 €, c'est pas la folie. Et en plus de ça, j'ai découvert assez récemment que ce genre de pièce, vous pouvez la porter donc en été comme je l'ai dit, mais également en automne ou voilà, au printemps, avec un leggings en dessous par exemple, avec un petit pull crop top par dessus par exemple aussi. J'ai bien aimé cette association de pièces. J'ai pas fait un truc chelou là. J'aimerais bien trouver la même chose, mais avec l'ouverture, la fente un petit peu plus haut, style un peu pièce japonisante. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Enfin, japonisante, non, pas forcément. Je crois que c'est même plus indien. Vous voyez ce genre de tunique hyper longue. Mais voilà. Vous voyez ce genre de tunique hyper longue qui tombe presque au niveau des pieds, mais qui sont fendues sur les côtés, et du coup on laisse deviner un bas à l'intérieur, donc un leggings hein, idéalement. Voilà, j'ai vu un petit peu ce look, je recherche ce genre de tunique, j'en ai pas encore trouvé, et si j'en trouve pas, je découperai les miennes qui sont déjà dans mon armoire. Affaire à suivre. Ensuite, je vais vous présenter un produit que je pense ramener. Donc, je l'ai pris chez Forever 21. Il était en promo. J'ai pris une taille L et il m'a coûté, je crois, 4 €. Il n'y a pas le prix dessus. J'ai kiffé sur la couleur qui est un espèce de kaki grisé. C'est un espèce de jogging, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais je l'ai vu porter évidemment avec des escarpins ou des boots en mode un peu roots, détente, on se prend pas la tête. Sauf que je trouve, je l'avais pas essayé en magasin, en tout cas pas dans cette taille là, j'ai essayé le M qui était légèrement trop juste et j'ai pas essayé le L. C'est pas ce que je recherche en fait. J'aime bien, il est pas vilain, il me va pas trop mal, mais il manque un truc et c'est pas tout à fait ce que j'ai en tête. Donc je pense ramener ce produit. En plus, il n'y a pas de poche. Dommage. Dernier article chez Forever 21, et là c'est un coup de cœur, mais un truc de malade. C'est à dire que non seulement ils avaient une collection plutôt sympa, d'ailleurs d'ailleurs, en découvrant le magasin, j'adore la tendance qui arrive printemps-été. Ça revient dans le style boho, bohème. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ça tombe bien parce que j'ai énormément de pièces dans cet esprit-là. Je ne vais pas me retrouver en galère ce printemps ou cet été avec mes anciennes pièces des années précédentes, puisque je ne compte pas me ruiner en termes de fringues pour le moment. J'ai déjà pas mal de choses dans mon armoire, donc je vais pouvoir les réutiliser très facilement. J'ai eu cette robe-là pour... Est-ce que j'ai gardé le prix ? 11,99 €. Ce genre de pièces à 11 €, quoi. Mais regardez-moi cette robe, truc de malade. Donc elle est faite entièrement de dentelle rouge bordeaux, donc rouge éteint, avec un tissu en dessous couleur nude, couleur peau. Du coup, quand vous la portez, vous avez l'impression que vous n'avez que la dentelle au niveau du corps. J'adore. Elle était faite pour moi, cette robe. En plus, c'était la dernière. Elle est donc entièrement faite de dentelle. Vous avez cet empiècement au niveau de la manche qui vient mettre en valeur vos épaules. Vous avez un côté ajouré au niveau du décolleté qui reste assez convenable, je trouve. Vous avez également un côté ajouré au niveau de la taille où on laisse deviner la peau comme ça. Et la robe, quoi. J'adore cette robe, elle est pas trop belle, j'en suis dingue. Ah oui, je vous ai même pas montré le dos, vous avez un décolleté au niveau du dos. Regardez-moi ça, j'adore.
Je sais que c'est pas une pièce que je vais pouvoir mettre tous les jours, j'en suis bien consciente, mais c'est le genre de pièce qu'on sort à toutes les occasions. Et il y a les 5 ans avec mon chéri que je vais fêter très prochainement, et je pense que ça va être la robe idéale pour cette occasion. Donc voilà, je suis trop contente. Ensuite, on va passer sur le magasin de Bershka. Honnêtement, il n'y avait pas énormément de choses chez Bershka, enfin, ou du moins, je sais pas, c'était mitigé, le magasin il était un petit peu fouillis, ou en tout cas pas comme d'habitude. Des fois je trouve des pièces hyper sympas chez Bershka, et puis là, j'ai un peu cherché, j'ai pris ces deux pièces là parce que elles étaient sympas, j'avais une idée de look en tête, et voilà, mais j'ai pas eu de gros coup de cœur malheureusement. Je retournerai là-bas de toute façon puisque je dois ramener un produit. Je vous présente un t-shirt, ou plutôt une robe t-shirt. Je l'ai payé 7,99€ pour ne pas dire 8€. Je l'ai pris en taille L, et c'est simplement un t-shirt basique. Hyper long, donc que vous pouvez porter en robe comme je viens de le dire. Voilà, il n'y a pas plus simple et basique que ce t-shirt. Par contre, il est 10 fois trop grand, enfin 10 fois, j'exagère. En général, j'aime bien prendre une taille au-dessus de la mienne pour ne pas me sentir boudinée et pour que ça se porte de façon loose, j'aime beaucoup. Sauf que là, il est beaucoup trop grand, ma silhouette se perd dans le produit et j'aime pas. Donc je vais le ramener, je vais changer de taille je pense. Vous pouvez le porter avec des grosses ceintures style corset. Donc ça se fait énormément en ce moment. Ça tombe bien parce que des corsets j'en ai à la pelle, et ce depuis 10 ans au moins. Donc je vais pouvoir me remettre au goût du jour. Enfin, et du coup j'ai pris exactement le même t-shirt, et cette fois-ci je l'ai pris en M, et vous allez voir la différence entre les deux tailles. Vous aviez plusieurs coloris, vous avez noir, blanc, kaki, rose, rouge et c'est tout je crois, et bleu peut-être. Voilà, donc pour 8€ ça va, c'est correct, et je vais pouvoir l'accessoiriser de mille et une façons. Encore une fois, j'avais en tête un look un peu sportswear avec des grosses baskets, une casquette, voilà ce genre de look, ou de façon un peu plus sophistiquée. Je le vois bien avec un leggings un petit peu simili cuir noir et une grosse ceinture ou un corset tout simplement, des talons et voilà. Par exemple, voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec, j'adore et je suis ravie. Donc ensuite, on passe dans une boutique asiatique, je ne me rappelle plus du nom, je suis désolée, mais je pense que vous en trouvez un petit peu partout. Je vous présente un petit top noir, encore une fois, tout ce qu'il y a de plus simple, vraiment, on va pas dans l'originalité, et on en a vu beaucoup au printemps et en hiver aussi. Voilà, c'est le genre de top noir un peu stretch, un petit peu coton également, et voilà, ça vient se poser tout simplement ici. Vous devinez un petit peu les épaules, et j'aime beaucoup. J'ai craqué et il m'a coûté à peine 10€, donc ça va, c'est vraiment raisonnable. Vous aviez également plusieurs couleurs, vous aviez du blanc, du rose. C'est pas cher, la qualité n'est pas dingue, mais pour le peu que je mets, c'est largement suffisant. Ensuite, on va passer au produit que j'ai reçu. Et cette fois-ci, je vous propose un truc, mais totalement différent, que je n'aurais certainement pas acheté, parce que c'est pas vraiment mon style, mais c'est bien parce que ça me permet de sortir de ma zone de confort, et ça me permet d'envisager le produit de différentes façons. Donc je vous présente un petit t-shirt, ou un Marcel, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin bref, moi ça me fait penser à un maillot de basket américain. Il y a marqué Colorista, donc je l'ai reçu de la part de L'Oréal. Je sais pas si c'est vendable ce genre de pièce. C'est un petit peu ajouré, hein. C'est vraiment une pièce sportswear.
Voilà, donc on voit un petit peu à travers. C'est une pièce vers laquelle je ne me serais jamais dirigée et pourtant elle m'inspire quand même. Donc parfois c'est intéressant d'avoir des pièces comme ça qu'on n'aurait pas forcément choisi, mais qu'on arrive quand même à accessoiriser et à porter à son goût. Enfin, dernière pièce, et si vous me connaissez, vous savez que j'ai participé à la présélection de chez BeautyTube et on est reparti avec un Teddy. Donc comme ceci, il est de couleur gris et blanc. Les Teddy, j'adore ça, je trouve ça hyper sympa, mais j'ai l'impression que ça me va pas en fait. J'aime beaucoup l'association du gris et du blanc, ça change un petit peu, voilà, c'est un Teddy, tout ce qu'il y a de plus simple. Par contre, il y a marqué au dos BeautyTube L'Oréal YouTube et vous avez également le petit logo ici. Voilà, si j'ai envie de rester discrète, si vous voulez, je vais pas mettre cette pièce. Par contre, je trouve qu'elle est quand même hyper jolie et je sais que mon chéri et mon frère, ils ont kiffé sur la coupe et la couleur. Dommage qu'il y a marqué BeautyTube, mais en tout cas, ils ont adoré le produit. Donc après, je vais vous l'essayer, mais ça vous donnera juste une petite idée de la coupe et du tombé du produit sur ma morphologie tout simplement. En plus, vu que j'en ai vu dans les magasins, chez Bershka notamment, bah, ça vous donne une petite idée des produits portés. Eh bien écoutez, j'ai terminé avec ce haul. Normalement, il devait y avoir deux pièces supplémentaires que je n'ai toujours pas reçues. Donc ce sera pour une prochaine fois, tout simplement. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné de l'inspiration, des idées pour les tendances qui arrivent, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, bien évidemment. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne parce que vous êtes environ 60% à me regarder, mais à ne pas être abonné. Pourquoi ? Pourquoi ? N'ayez pas peur de vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, c'est entièrement gratuit. Moi ça m'encourage énormément et ça me donne de l'élan et de l'inspiration à vous créer des vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche également au passage, hein, comme ça vous serez informé de toutes mes vidéos. Je vous embrasse très très fort, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à très vite ou à tout de suite sur les réseaux et prenez soin de vous, voilà. Gros bisous !